Il est temps pour moi d'arrêter, prendre ma retraite. 75 ans, c'est un certain âge. J'ai la chance de pouvoir avoir des dates auxquelles j'arrête et je change de métier. J'ai plus de 50 ans, il y a 34 ans que je monte. J'ai gagné plus de 120 groupes 1 dans le monde, j'ai gagné 2937 courses. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, il faut arrêter. C'est un peu de coquetterie, je voulais partir sur une victoire. Victoire pour Frédéric Rey de la Kazakh prestigieuse d'Alekhine. C'est un clin d'œil du destin parce que la Kazakh que portait Marathon était la Kazakh de mon grand-père. Mon grand-père avait beaucoup d'importance et quelqu'un avec lequel j'avais beaucoup d'amour. Lorsqu'on a gagné l'Arc à 19 ans, quand on se réveille le lendemain matin, on n'est plus le même. Cette course-là a été le déclic dans ma carrière, sûrement. Ivan Jika qui maintenant domine la situation. J'étais très gâté. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu une carrière exceptionnelle. Et pour moi, c'est un rêve et c'est une passion. Et donc, j'ai réalisé ma passion. Maintenant, je voudrais me consacrer à l'entraînement. Toute ma carrière, quand je montais les chevaux, je disais, si je l'entraînais, je ferais ça. Marchandor qui passe à l'attaque, Marchandor qui va gagner. C'est extraordinaire d'avoir arrêté ma carrière de jockey et en tant qu'entraîneur, de retrouver les chevaux d'un tel niveau, c'est quelque chose d'inespéré. Mon premier groupe 1, oui. C'est vous ? Quand on est jockey, on vit vraiment un peu replié sur soi. Alors qu'entraîneur, on devient chef d'entreprise, on a des employés. Il faut s'ouvrir un petit peu aux autres. J'ai eu la chance d'entraîner vraiment des cracks. Bien sûr, Goldikova, qui sort de l'ordinaire, qui est un cheval mythique. C'est un cheval exceptionnel, je n'aurais jamais pu un comme elle. C'est une chance extraordinaire d'avoir entraîné une jument comme ça. C'est le cheval d'une vie. Agnès, qui était une jument exceptionnelle, c'est un de mes grands souvenirs de course dans ma carrière de jockey. Very happy to be back here, 23 years afterwards, trying for a three-peat. J'ai eu vraiment de grands jockeys qui ont monté ces chevaux. Je parle de Thierry Jarnet qui a monté Moonlight Cloud, de Maxime Guillon qui s'est trouvé sur Solo, qui a gagné toutes ses courses. Ce qui me frustre, c'est de pas les monter. Mon rêve, ce serait de les entraîner et de les monter. Bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous. Quelque part, j'aurais choqué. Il est évident que la réussite de Christopher et plus tard celle de Victoria va être quelque chose de valorisant pour moi. J'espère leur laisser quelque chose et de pouvoir les aider un petit peu dans leur métier.